On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau LBPR, les vide-greniers geeks. On se retrouve aujourd'hui aussi avec une nouvelle formule, un tout nouveau décor, une nouvelle position, et toujours avec Sarah. Et ouais, salut à tous. On est debout. En plus, on s'est dit que c'était vachement pratique parce qu'on fait à peu près la même taille. Là, les petites illusions d'optique, hein. En fait, on n'est pas côte à côte. Hein. Je vais me mettre derrière, donc je suis à 1m50 de standard. Je suis sur une balance Wii Fit, voilà. On espère que ça mettra plus de dynamisme. On attend vos retours dans les commentaires. Moi, je trouve que c'est cool comme ça. What do you fuck? What do you fuck? Comme ça, les objets, on les met par terre, on les reprend par terre, on les met au ciel. Ok, donc on a fait un vide-grenier ce matin. Un seul, c'était cool. Il y en avait 2-3 sur Rennes, mais des trucs un peu payants, tout ça. Ouais. On avait un gros en premier, on l'a fait. On est arrivé là-bas à midi, Ouais. Donc c'était vachement tard. Et on a trouvé vraiment notre bonheur. On a dépensé pas mal de sous, donc on a arrêté là. Tout simplement, c'est pour ça qu'on en a pas fait d'autres. On est content. Tu veux commencer par quoi, Sandra? Il y a tellement de trucs cool. Bon, les gros trucs cool, on va les montrer à la fin. Hein, à la fin, c'est bon? Ouais. Bah. Peut-être commencer par le seul truc que moi j'ai trouvé et qui m'intéressait moi surtout. Donc j'ai trouvé dans ce petit vide-grenier, qui n'était pas petit d'ailleurs, c'est une BD, édition Soleil, avec des personnages de DC Comics. Donc du coup c'est un peu une sorte de parodie, enfin moi je dirais plus c'est un univers parallèle à l'univers de DC Comics en fait. Ouais. C'est d'où le titre, JLA, Justice League of America. Yeah, baby, you know what I'm saying. Yeah, Mexican on the front, yeah. Donc c'est Terre 2, voilà. Vous remarquerez d'ailleurs la superbe coiffure de Donald Trump que nous a fait son bain. Exactement, c'est parce que... Voilà. Si vous rappelez, c'est Grant Morrison et Frank Quitely. Voilà. Grant Morrison, c'est un scénariste qui travaille déjà avec DC Comics en fait, qui a fait plein de Batman et qui sont géniaux. Voilà, je conseille moi les Grant Morrison parce qu'il est super fort. Par exemple, une page comme ça. Les dessins sont super cool et super proches des DC Comics en fait. Hein. C'est vraiment bien repris. Payé 5 euros. 5 euros non négociable, j'ai essayé. Elle m'a dit, ah non, mais déjà je voulais vendre 10 euros. Ok, voilà, c'est vrai qu'on voit pas souvent, hein. Mais Terre 2, j'en avais entendu parler et voilà, je trouve ça intéressant. Là, vous vous en rendez pas forcément compte. Là vous avez des comics à côté, vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais c'est un format BD, c'est beaucoup plus grand. C'est cool. BD. Moi j'ai continué avec un item officiel, un petit truc pour la collection que je ne porterai sûrement pas, mais c'est pas grave. C'est un bonnet Pokémon. Donc on a vu, il est à vendre en ce moment sur Ultra G ou des sites comme ça, dans les 5,90, 6 euros, c'est ça? Il y a un lot avec les chars. Et donc on a trouvé ça sur le vide-grenier, le mec avait des blés noirs, des gris comme ça, et des rouges, j'ai pris le gris, je trouve ça cool. Il est vendu 5 euros pièce, c'est un item officiel. C'est marqué Pokémon là, et sur la petite étiquette, attrapez-les tous. Pour un petit... pour la collection. Ouais, tu voulais essayer? Ah, c'est vrai. Ah, moi je précise, c'est pour les enfants. Hein, ah, il va bien en vrai. On continue avec la grosse dépense de ce vide-grenier. C'est pour ça qu'on n'a pas continué à faire d'autres vide-grenier. Parce que là, pour le coup, on a dépensé 80 euros. Ouais, 80 euros. Sur un stand. Ouais. Pour 8 figurines. Ça, c'est intéressant. Des figurines de bureaux de tabac, de tabac presse, des trucs qu'on... Vous savez, on achète les journaux, voilà. C'est du Marvel. T'as regardé les prix sur internet avant d'acheter parce qu'on était... Ouais. Voilà, c'est 15,99€ le premier numéro. Et c'est augmenté de combien à chaque 1,50€. Fois 1,50€. Et là, la personne vendait les figurines 10€ pièce. Et une hors série qui vendait 20€. À la base 25, et il l'a baissé à 20€. Et donc là, il nous a fait 8 figurines, dont une collector, une hors série, à 80€, ce qui fait 10€ la figurine, même la collector, ouais. Ce qui est vraiment cool. On commence avec Drax, des Gardiens de la Galaxie, voilà. C'est un film que j'aime beaucoup, et des comics aussi que j'ai, que j'aime beaucoup, les Gardiens de la Galaxie. J'étais super content de trouver cet article, de trouver ces figurines-là, parce que, comme je vous l'ai dit, Gardiens de la Galaxie, je suis vraiment fan. Et ça fait partie des personnages que t'aimes pas trop, mais des personnages secondaires de la série, et moi j'aime vraiment beaucoup. Alors ensuite, nous avons Scarlet Witch, yeah, que en fait moi je connais même pas, parce que du coup, comme tout le monde le sait, je suis plus DC que Marvel. Du coup, je ne connais vraiment pas l'univers de Marvel, enfin je connais les bases quoi. Et je ne sais pas du tout de c'est les Avengers. Donc moi voilà, c'est vraiment pour l'esthétique du personnage que je l'ai choisi. On continue avec le personnage qu'il fallait que je prenne absolument quand je l'ai vu. Le Captain, qui est mon héros préféré de Marvel. Je m'étends pas plus dessus, c'est le Captain, il est cool, yeah, son histoire est géniale. Pour continuer dans les filles, hein, moi j'ai choisi Gamora, donc des Gardiens de la Galaxie, que je trouve un personnage super cool, c'est une rebelle et tout, c'est une badass. En vrai, elle est cool au début, elle est méchante, elle est bien gentille. Moi j'aime bien les personnages un peu forts, féminins quoi, pas les pétasses. Thor, bien sûr, quand on dit Avengers, on cherche pense à pas Thor. J'ai hésité avec le Black qui s'appelle Samuel L. Jackson, comment il s'appelle. L'agent du SHIELD, le directeur du SHIELD, ouais. Bah vous retrouverez le nom, vous le mettrez en
en commentaire, je ne sais plus. En tout cas, j'hésitais entre lui et lui, mais Thor, la figurine était vraiment belle. Donc moi, je la trouve vraiment super. C'est vachement l'acteur, c'est bien fait. C'est super bien fait. Vous allez voir les photos de toute façon, mais c'est super bien fait. Et du coup, la dernière fille que j'ai choisie, c'est Black Widow de des Avengers. Tu n'es pas calé du tout sur les Avengers. Je n'ai jamais vu Avengers. Ouais, Black Widow, Scarlett Johansson. Moi, je continue avec Yellow Jacket, qui est un personnage aussi secondaire, mais que je prends pour l'esthétique, parce que la figurine est juste magnifique en fait. Et on finit sans tarder à nous présenter la hors-série. C'est quand on a vu elle qu'on a craqué sur tout. Putain, elle est lourde. On finit avec, du coup, Iron Man dans son armure Hulkbuster. En vrai, elle est ultime. En vrai, elle est ultime parce que elle est, mais genre, super grande. Oui, non, mais fait la hauteur de ta tête. Non, mais non, mais sans déconner. Même par rapport à la mienne, elle fait presque la hauteur de ma tête. Il y avait Iron Man, du coup. Il y avait deux versions encore d'Iron Man. Il y avait Iron Patriot. Il y avait Iron Man sans masque. Et Iron Man masqué. Mais elle est trop mieux, celle-là. C'est l'armure qui est dans le dernier, en fait. Et c'est ultime qu'on voit fabriquer cette armure et qu'on voit mettre cette armure de ouf pour se battre contre Hulk. Moi, ça me fait penser à Batman contre Superman, du coup, l'armure de Batman. Oui. Et ben voilà, c'est pas mal pour les figurines. Vous allez nous le dire, mais 80€ pour tout ça, je pense que ça va faire vraiment beau dans nos étagères. On n'a pas à dire, ça va faire vraiment plutôt clash. Je sais pas, on va les mettre parce qu'on a pas la place, mon gars, parce que. Peut-être au plafond. Offrez-nous une étagère. Ah bah non, on n'a pas la place pour la bête non plus. Offrez-nous une maison. Juste pour ça, un studio. Un studio photo. Offrez-nous cinéma. Un studio hollywoodien. Des hollywoodiens. Des bonbons. Arrivo. Studio Vrac. Des studios Canal. Canal Studio. Ok, c'est cool. Et est-ce que ce serait pas le moment de lancer l'instant carte? Ah, je pense que oui. Nouvelle rubrique. Maintenant, voilà comment ça se passe. Ouais. Les vidéos de Vite Grenier Geek. Hein, c'est l'instant carte. Et oui, bienvenue dans l'Instant Card première édition. J'espère que ce nouveau plan vous plaira. On est parti donc avec des cartes Pokémon. On a acheté beaucoup sur ces vide-greniers. Des cartes Pokémon en grande partie, grande partie achetées à 20 centimes et que seulement deux cartes achetées à 50 centimes. On commence un petit peu dans le désordre. On a mélangé un peu tous les stands. Je ne peux plus vous dire, mais vous allez voir, il y a vraiment des belles trouvailles. Donc là, ce sont des cartes Team Magma versus Team Aqua, pardon. Donc un Mediena. On a ensuite Botte Lourde. Ce sont des cartes que j'ai pris pour la reverse. Là, c'est magnifique. C'est une carte donc de Pokémon 7 de base que je suis sûr de ne pas avoir. Encore une Team Aqua versus Team Magma, des vieilles cartes en bon état, une petite team, une reverse et un vaporisateur hyper rétrograde, une vieille carte encore une fois en super bon état. Je suis assez impressionné de l'état de certaines cartes qu'on a trouvées, je sais pas ce que t'en penses Sandar, mais il y avait vraiment des... Elles sont en super bêta, comme si elles étaient neuves. Merci Sandar pour son intervention hors champ. Nous avons Pomme de Pique, toujours de vieilles cartes en super bêta, un build bizarre, un atout. Comme d'habitude, je passe vite les cartes parce qu'on sait que ça en saoule certains, c'est incroyable, mais comment ça peut vous saouler, je ne comprends pas. Ammonita, Chetiflore, là, du Heart Gold, c'est magnifique. Fantomise du Heart Gold, encore c'est magnifique. Oh, Ratata. Du set de base, je l'ai pris parce que je suis pas sûr du tout de l'avoir dans cet état-là. Je ne me rappelle pas de voir cette carte dans cet état-là, en tout cas. Voilà, ça me fait très plaisir. Pareil pour le Meowth the Jungle, il est assez incroyable. J'en reviens pas. Le mini Draco, pareil. Waouh. Le Onyx, et oui, les amis, c'est magnifique. Oui. Merci. Le petit Reptincelle, ça aussi, magnifique. Magnifique, du set de base, vraiment. Mimigal, de... Je sais plus comment ça s'appelle, cette extension, mais elle est cool. Je sais qu'on a pas beaucoup de cartes. Et encore un Mimigal. Et une énergie. Du set de base en édition, hein. Ça, énergie plante. Je suis sûr de pas l'avoir. C'est incroyable. On continue avec pas mal d'Holo et de Reverse achetés, pareil, 20 centimes. C'est assez hallucinant. Scorvol. Ok. Shaymin en Reverse. Yanma Reverse. Megavolt Reverse. Waymer Reverse. Air Bizarre, vraiment magnifique. Drabi Holo. Ah, ça, c'est les decks dragons, c'est cool. Darumaron Reverse. Mais Draco Holo, elle est pas belle cette carte? Non mais sérieusement quoi. Le graphisme avec toutes les couleurs derrière, je suis vraiment fan. Ah. Mediena, alors l'illustration m'a fait délirer, j'ai dit je prends. Voilà, parce que je suis sûr de pas l'avoir non plus. Et Carabaf, pareil, c'est des cartes qu'on n'a pas, on est sûr, parce qu'on en est en plein tri avec Sandar et on ne les a pas. Et je finis avec les deux cartes à 50 centimes. Deux Holo, j'ai pas hésité sur le prix du coup. Hein. Une petite noir et blanc, cette de base noir et blanc, hein. Je sais plus comment on dit ça, mais noir et blanc, néor et blanc. Noir et blanc. Donc c'est Clamiral en Holo, avec un holographisme. Mosaïque, ce qui me fait penser que ça doit être un début de deck, à mon avis, je suis pas sûr, mais ça y ressemble. Et Solarok, magnifique, de Heart Gold, d'une des séries de Heart Gold, je sais plus comment ça s'appelle, peut-être Triomphe ou un truc comme ça, et en holo. Et je sais pas si on voit bien l'holographisme. Ah si, là on voit les petits points, et c'est magnifique. Et voilà, c'est tout pour l'instant car. Alors, pas mal ou pas? Pas mal l'instant car, pas mal. On finit du coup.
C'était bien ou pas? Ouais, c'était bien. Ça t'a plu? Oui, moi, ça m'a plu. Du coup, on finit avec du jeu vidéo. Ouais. Je pense qu'on avait dit on finissait là-dessus parce qu'on est cool, on est sympa et on est beau gosse. Parce qu'on a trouvé des trucs cool, vous allez voir. Et oui, des jeux de GameCube, deux jeux de GameCube que j'ai déjà, malheureusement. On a regardé en rentrant, je les ai déjà, mais je sais plus. Ça intéressera sûrement des gens pour des échanges parce qu'ils sont complets. C'est des jeux de sport, c'est un peu nul, mais c'est des jeux de GameCube. Ouais. Mais bon état la boîte et tout. C'est, très bon c'est état. Pas comme les derniers qu'on avait trouvé. Il y avait les mêmes jeux dedans et tout. Et puis c'était voilà. Déboîté quoi. Donc on a le EA Sport FIFA Football 2004. Voilà. Super. Numéro, j'adore. Et le FIFA. EA Sport NBA Live 2005 qui est du basket avec Tony Parker. NBA, tu demandes. Ta gueule. Et le beau coup de fusil de ce vide-grenier qu'on a payé assez cher malheureusement. Ouais. On l'a payé combien ce jeu? On l'a payé 10 euros. Et c'est un jeu qui vaut super cher, qui est vraiment coté sur le marché. Quand je dis sur le marché, je parle pas des marchés le dimanche matin avec des galettes saucisses. Malheureusement, il n'a pas la notice, mais on l'a pris quand même. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de DS, c'est Bomberman Story DS. Donc, comme je vous l'ai dit, sans... Pas complet, malheureusement. Pas complet. Ceux qui connaissent la référence, bravo. Et donc, ce jeu, il est vraiment cool, pour le coup. Je ne l'avais pas dans la collection de DS. Qui est derrière nous, oui, du coup. Et voilà, et... Rangé. Et ce jeu, il coûte jusqu'à 60 euros. Donc, content. C'est tout pour ce vide-grenier. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, vous allez me dire. On est pas mal, on est content. C'est moi. Donc, on espère que cette nouvelle formule de vide-grenier vous plaira. Ouais. Que vous trouvez ça cool. Ouais. Dites-nous dans les commentaires ça vous plaît. Oubliez pas que maintenant il y a la page Facebook, il y a le Twitter, qu'il faut s'abonner et il faut aimer. Voilà. A plus dans le bus, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bonne dimanche.